Salut Sébastien Labbé, tu es bien sur la chaîne LAB TV. Comme tu le sais, on se retrouve, phrase classique, aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai décidé de continuer dans la voie du « on fait connaissance » le temps que je termine de peaufiner les nouveaux tutos kitesurf, etc. qui arrivent très bientôt. Donc on continue à faire connaissance avec, bah vous l'avez vu la semaine dernière, on s'est fait plusieurs vidéos trip avec des souvenirs de trip, des vidéos que j'avais fait dans le passé en tant que rider. Et bien là aujourd'hui, même chose, on apprend à me connaître en allant chercher. Et alors attention, là je prends un risque. On va aller se regarder ensemble sous forme donc de vidéo commentary, c'est-à-dire qu'en gros je regarde la vidéo avec vous et je la commente, mon tout premier tuto kitesurf sur YouTube. Ouais, je vous vois déjà venir, le mec il a pris un petit coup de vieux, etc. etc. Soyez gentil quand même les glissons. Eh ben ouais, ça date, ça commence à dater un petit peu, c'est il y a 10 ans à peu près. J'étais rider pour un gros shop parisien qui s'appelle Hawaii Surf. Et un jour le boss me dit, on veut faire un espèce de truc en vidéo sur le site internet, tu pourrais nous faire un tuto kitesurf. Alors ça se faisait pas trop à l'époque, tuto kitesurf, c'est-à-dire... Alors, du coup j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait sur YouTube et j'ai trouvé un ou deux tutos qui étaient en surf. Et je me suis dit, bon, ok, bah, on va s'inspirer. Je faisais beaucoup de strapless à l'époque. Allez, bim, on fait un tuto. Comment passer le virement de bord en kitesurf. Vous êtes prêts pour un bon moment de rigolade? S'il vous plaît, on reste gentil. Le glissou, il en était à ses tout débuts. On est prêts? Allez, let's go. Allez, c'est parti. Oh, le beau petit logo Hawaii Surf pixelisé. Avec le bon petit fond noir pixelisé aussi pour faire patienter. Ah, petite intro en accéléré. Petite musique. Vous avez noté le board short par-dessus la combi. Et voilà l'entrée du beau gosse. Ah, il était jeuneau quand même, il était jeuneau le rider. Bien sûr, hein, le tuto, la belle manœuvre où on voit absolument pas les pieds ni la planche. Je remonte mon aile. Séparation d'écran. Je remonte au zénith tout doucement. Vous avez vu à quel point j'ai réussi à me détourer. On voit que ça pixelise derrière moi. On remarque la belle bague au majeur. La bague mood, j'étais sponsor à l'époque. En gros, il fallait que je fasse apparaître la bague dans les vidéos. J'étais payé au nombre de vues. Les débuts du placement de produit, me direz-vous. Et la montre G-Shock, j'avais pas vu aussi la belle montre G-Shock blanche juste derrière. Ah, petite démonstration au sol, ça parle plus. Je relance fort mon aile dans la fenêtre pour poser. Bon, cela dit, les images étaient belles. On voyait l'aile. J'étais avec F1 déjà à l'époque, j'étais rider pour F1. J'avance le pied. Et pour les planches, j'étais rider underground. C'est pour ça qu'on voit, j'ai le t-shirt underground, j'ai la planche underground. Mon beau t-shirt à Weiser, bien entendu. Hein. Eh oui. Ah, c'était rapide. Ah, c'était rapide. Le sponsor. Ah, ça y est, c'est fini. Bon, ben voilà. Si on peut dire, on a fait un petit peu plus connaissance. Vous me connaissez un petit peu plus. J'essaierai, si ça vous plaît, de vous faire d'autres vidéos de ce type-là pour que vous appreniez à me connaître, que vous soyez nouvel abonné ou ancien abonné. Un des tout premiers glissous. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh ben, ça se passe ici. Vous cliquez sur le petit bouton là, s'abonner. Vous pensez à activer la cloche pour pouvoir recevoir les notifications. Si vous êtes déjà abonné, ben, vous connaissez le principe. Lâchez vos commentaires juste en dessous. Lâchez-moi vos gros pouces bleus. Vous savez que c'est important sur YouTube et que ça me fait plaisir. Et ouais, parce que c'est important, mine de rien. Ça me fait plaisir, les enfants. Bref, la chaîne, elle est là pour qu'on discute entre nous. Donc, n'hésitez pas, commentaires, etc. J'en profite d'ailleurs pour faire une petite dédicace à Frizox, je ne sais pas comment il faut prononcer ton nouveau pseudo. En tout cas, spéciale dédicace à toi, ça fait plaisir, tu fais partie de ceux qui nous ont rejoints il n'y a pas très longtemps. Et bah écoute, bienvenue, c'est cool de t'avoir parmi nous, tu fais partie de la communauté Glissou et j'espère qu'on sera de plus en plus nombreux. Sur ce, les Glissous, vous connaissez le credo, life is the beach, alors on se prend pas la tête et on en profite, à très bientôt, ciao.